Richard, vous n'êtes pas là par hasard? Jensen, c'est vous? Ça fait déjà plusieurs jours. Où est-ce que vous êtes? Je comptais sur vous pour me le dire. Je vous localise. Vous êtes à Singapour. Ce n'est pas normal, Jensen. Je vous ai localisé, et une seconde après, j'ai perdu votre signal GPL. Comme si vous aviez disparu dans un trou noir. Ça doit être un brouilleur. Oui, évidemment. Trouvez l'émetteur et débranchez-le, je pourrai vous suivre. Je compte bien ne pas vous lâcher d'une semelle. J'ai plus important à faire que de vous aider à me suivre à la trace. Si Megan et son équipe sont ici, il n'y a pas une seconde à perdre. Accès autorisé. Simple si Daro était là encore. Bon, je ferais mieux de retourner à l'entrepôt au cas où il déciderait de nous faire une petite inspection surprise. Bonne nuit. Dans le monde entier. Elisabeth Duclair, porte-parole de l'OMS, a confirmé que ces dysfonctionnements étaient liés à un vice de fabrication affectant la biopuce neurale périphérique multicanaux, celle qui transmet les impulsions nerveuses aux tissus non organiques. Les personnes concernées doivent se rendre au plus vite dans leur clinique en pli local où la biopuce sera remplacée. De sources internes, on apprend que le géant des augmentations, Taiyong Medical, met les bouchées doubles pour pouvoir suivre la demande en biopuce. Ce dépôt général qui survient juste après les récentes données.
C'était Elisa Kassan, en direct pour Picus. L'Organisation mondiale de la santé a lancé aujourd'hui un rappel. Et de problèmes électrostatiques se multipliaient dans le monde entier. Elisabeth Duclair, porte-parole de l'OMS, a confirmé que ces dysfonctionnements étaient liés à un vice de fabrication affectant la biopuce neurale périphérique multicanaux, celle qui transmet les impulsions nerveuses aux tissus non organiques. Les personnes concernées doivent se rendre au plus vite dans leur clinique en pli local où la biopuce sera remplacée. De source interne, on apprend que le géant des augmentations, Taiyong Medical, met les bouchées doubles pour pouvoir suivre la demande en biopuce. Ce défaut général, intervient juste après les récentes émeutes, rend encore plus puissante la question de l'amplification humaine. Est-ce le début de la fin de cette technologie ou un autre raté sans conséquence? C'était Elisa Kassan, en direct pour Picus. Accès autorisé. Retour sur la principale information du jour. L'Organisation mondiale de la santé a lancé aujourd'hui un rappel de toutes les augmentations. Depuis plusieurs jours, les rapports de pannes temporaires et de problèmes électrostatiques se multipliaient dans le monde entier. Elisabeth Duclair, porte-parole de l'OMS, a confirmé que ces dysfonctionnements étaient liés à un vice de fabrication affectant la biopuce neurale périphérique multicanaux, celle qui transmet les impulsions nerveuses aux tissus non organiques. Les personnes concernées doivent se rendre plus vite dans leur clinique en pli bloqué. Retour sur la principale. Accès autorisé. L'Organisation mondiale de la santé a lancé aujourd'hui. Vous avez dû toucher à quelque chose, Jensen. Quatre de nos signaux GPL sont réapparus. Le vôtre et ceux de Koss, Colvin et Faherty. Je n'ai pas le signal du Dr. Reed. Envoyez les coordonnées de ceux que vous avez. Et Pritchard, avertissez Sarif. Je ne peux pas. Pendant que vous étiez injoignable, Monsieur Darrow l'a invité à Panchaya, avec Bill Taggart et les délégués de l'ONU. Ils sont déjà à mi-chemin de l'Arctique. Merveilleux. Les personnes concernées doivent se rendre au plus vite. Dans leur clinique en pli local, où la biopsie sera remplacée. De source interne, on apprend que le géant des augmentations, Taiyong Medical, met les bouchées doubles pour pouvoir suivre la demande en biopus. Ce défaut général, qui survient juste après les récentes émeutes, rend encore plus pressante la question de l'amplification humaine. Est-ce le début de la fin pour cette technologie ou un autre raté sans conséquence? C'était Elisa Kassan, en direct pour Picus. Accès autorisé. L'information du jour. L'Organisation mondiale de la santé a lancé aujourd'hui. Puis un rappel de toutes les augmentations. Depuis plusieurs jours, les rapports de pannes temporaires et de problèmes électrostatiques se multipliaient dans le monde entier. Elisabeth Duclair, porte-parole de l'OMS, a confirmé que ces dysfonctionnements étaient liés à un vice de fabrication affectant la biopsie. Accès autorisé. Par là ? Qui est là ?
Accès autorisé. Accès autorisé. Accès autorisé. Cassez, vous feriez mieux de sortir. Détendez-vous, y a rien. Vous n'avez pas entendu quelqu'un sauter par là ?